Salut! Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une extension qui permet de gérer les UV dans SketchUp. Alors, qu'est-ce que c'est que les UV? C'est ce que je vous montre à l'écran maintenant. Imaginez un cube, un volume en 3D qu'on déplie et qu'on met à plat. Ça, c'est les UV, c'est-à-dire c'est le revêtement, la peau un petit peu de l'objet. Quand on déplie les UV dans certains logiciels, on peut mettre donc à plat ce revêtement et mettre une texture dessus. Ce qui fait qu'on n'a pas ce genre de problème qu'on voit ici à l'écran, où quand je plaque une texture qui est en fait un motif de fleur en noir et blanc, j'obtiens ce genre de résultat là dans SketchUp. Très souvent, c'est mal réparti, mal plaqué. Ça, c'est pas comment se placer parce que les UV sont absolument pas gérés. SketchUp est pas capable, contrairement à d'autres logiciels, de déplier les UV à plat. Par contre, il y a des petites extensions comme celle que je vous présente aujourd'hui qui nous permettent de ruser avec ça et d'avoir des modes de mapping, ça s'appelle, qui permettent de projeter les textures d'une certaine manière pour qu'elles puissent bien s'afficher. Alors tout ça, ça paraît un peu compliqué, mais en fait, c'est assez simple. On a une petite extension ici qui s'appelle Sketch UV, qu'on trouve dans l'extension Warehouse. Il suffit de taper UV ici, UV, et d'installer. Vous allez la voir apparaître. Donc, on a ce petit picto là. Comment ça marche? Eh bien, c'est assez simple. Regardez, je rentre dans l'objet. Je sélectionne tout ou une partie, si je veux. Là, je vais tout prendre. Alors, je vais essayer de prendre que la partie haute. Non, a priori, je vais tout prendre. Et là, je vais cliquer sur l'outil Sketch UV ici. Double-cliquer sur mon modèle. On voit qu'il se met un peu à plat comme ça. Après, je peux tourner. Alors, le but, c'est de l'avoir bien de face. On peut même s'aider avec ces outils-là pour l'avoir de face. Alors, hop, hop. Voilà. J'ai bien de face, je l'ai bien droit. Et une fois qu'il est à peu près droit, je fais un clic droit. Et je choisis un mode de projection de la texture. Est-ce que je la projette à plat, comme ça? Alors, ça marcherait, sauf ici. Est-ce que je la projette à partir d'une box? C'est-à-dire, comme s'il y avait 8 côtés qui projetaient la texture en même temps. Je fais ça, box. Et hop, magie. Alors, ça va pas être sans défaut. Il va y avoir quelques défauts. Je repasse en caméra perspective. Il va y avoir quelques défauts, mais assez peu, finalement. Alors, on voit des défauts ici, notamment, mais par rapport à tout à l'heure, ça n'a plus rien à voir. Je peux venir sur ma texture, réduire sa taille, je sais pas, de 4, et on voit que voilà, ça s'accorde parfaitement. Ça veut dire que même un motif en ligne ou un motif un peu plus complexe, avec des motifs plus complexes, il s'accorderait plutôt pas mal sur notre objet. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça sur le lit, par exemple, ici? Je viens sur le lit, je vais sur la couette et je veux lui appliquer ce motif. Je l'applique. Là, il se trouve que les UV ont sans doute été déjà dépliés sur ce modèle, donc triche un petit peu. Je vais l'appliquer ici sur un coussin, hop, voilà. Et on voit qu'effectivement, là, on commence à avoir un peu plus de défauts. Donc, je vais lui réserver le même traitement. Je viens ici, je prends l'outil Sketch UV, je double-clique. J'essaie de me mettre, alors je double-clique et j'essaie de tourner pour être à peu près droit. Et je vais faire clic droit. Et là, je peux essayer planar, par exemple. Il va projeter à plat une texture que je remplace tout de suite par celle-ci. Donc, je recommence. Clic droit, planar. Et voilà. Donc là, il me l'a mis parfaitement droit, avec quelques étirements sur les côtés, mais rien de bien méchant. Et si je veux modifier la taille, alors je peux la modifier ici, mais je peux aussi cliquer là sur une intersection, où j'ai un point, maintenir contrôle et jouer avec les flèches du clavier. Alors parfois, c'est un petit peu lent. On va voir la texture se rétrécir, voilà, rétrécir petit à petit. Et voilà, j'ai une texture qui est parfaitement bien mise à l'échelle. Maintenant, il y a un autre problème. Si je veux mettre une texture sur une forme en cube comme ça, qui a un peu n'importe quelle forme, et je vais avoir un problème. Là, je vais prendre du bois pour illustrer ce que je suis en train de dire. Et le bois, voilà comment il se met. Ici, le bois ne suit pas la forme, ne suit pas la courbe du tube, entre guillemets. Donc, Sketch UV va aussi nous aider dans ce cas-là. Je rentre dans l'objet jusqu'à voir ces petites arêtes comme ça-là. Je double-clique jusqu'à voir les arêtes. Je vais prendre le Sketch UV, je vais cliquer sur un point de départ, puis je bouge et je clique sur une arête. Elle apparaît en rouge comme ça. Et là, je fais clic droit, tube map. Automatiquement, la texture s'est mise, hop, à suivre parfaitement la forme du tube. Si jamais il peut se passer quelque chose, c'est que, hop, je refais Sketch UV, il peut se passer la chose suivante, c'est que la texture se met comme ça, pas du bon sens. Donc là, il n'y a rien de plus simple.
Vous cliquez sur une intersection et vous rentrez au clavier 90 comme 90 degrés, c'est-à-dire l'angle de rotation de la texture. Et hop, automatiquement, elle vient se mettre parfaitement en mouvement. Voilà, caméra perspective, on voit que ça suit parfaitement. Pareil pour quelque chose qui serait plus cylindrique. Eh bien, je vais le faire avec, avec le bois ici. On voit que ça se met pas forcément très bien partout. Si je veux que ça marche, ben Sketch UV, je double-clique, je passe en vue bien de côté. Alors attention, où est mon majar? Elle est ici, donc je retourne. Là, pour savoir si on est droit, on peut appuyer sur tabulation, tab, et on a une petite grille qui nous permet de se caler sur la ligne. Là. Et là, je peux faire un clic droit, et je vais essayer le cylindrical map, parce que ma forme, c'est plus un cylindre qu'un plan ou qu'une boîte. Cylindrical, et voilà ce qui se passe. La texture s'est répartie parfaitement bien. Je peux régler sa taille, la mettre un peu plus petite si je souhaite, ou je peux même la mettre dans l'autre sens, donc là, il faut revenir comme ça. Voilà, on prend un point, clic droit, même pas clic droit, on prend un point, on écrit 90 pour tourner la texture à 90 degrés. Et voilà comment on fait pour répartir du mieux qu'on peut, alors c'est pas parfait, mais du mieux qu'on peut les textures dans SketchUp. Il y a d'autres outils d'UV mapping comme celui-là, mais celui-là, il a l'avantage d'être assez simple à utiliser, parce que c'est tout avec des clics droits, des doubles clics et des choses comme ça, et c'est pas bien compliqué. Et on voit que sur le coussin, sur la chaise était quand même assez complexe, et ça a marché partout. Sur une forme qui n'est pas du tout droite, ou sur quelque chose de cylindrique, ça marche parfaitement bien. Donc, je vous conseille cette petite extension qui est gratuite, il n'y a même pas de version payante, elle est gratuite pour toujours. Et puis pour tous ceux qui veulent se mettre à SketchUp et verrer un peu plus sérieusement, je vous invite à aller jeter un œil à mes formations sur mon site internet lescreateurs3d.com, rubrique formation complète, parce que il y a des formations qui vont comme ça, vous apprendre des choses beaucoup plus précises sur des sujets donnés. Donc je vous laisse y jeter un coup d'œil, puis n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de me commenter. Et puis pour ceux qui le souhaitent, me soutenir sur Tipeee, allez voir les contreparties que je propose. Je pense qu'elles pourront vous aider. Il y a des matériaux, des bibliothèques de matériaux, des quelques tutos supplémentaires qui sont juste présents là-bas et nulle part ailleurs. Voilà, donc à bientôt. Ciao.